Placer notre pylône. Là maintenant, on est en train de faire la fouille. Ils doivent descendre jusqu'à 3 mètres. C'est là où on a trouvé le bon sol. On est en train de construire les bacs à Treille. On a commencé les travaux avec les études. Ça va faire maintenant 3 semaines que les géotechniciens et les topographes sont passés. Là maintenant, nous construisons le massif pour les pylônes. Il y a le docteur Mitéo Bruno qui nous a contactés pour dire qu'il y a les habitants de Kalambaï qui souffrent et de Bakwamulumba. Quand il y a des désordres vers Katanda, souvent il y a des meurtres, on dérange beaucoup de gens. Alors il a proposé à ce que nous puissions mettre un bac à cet endroit. Nous avons préparé un devis et lui a fait le suivi. Et juste après, le financement est venu. Au moment où je vous parle, on a tous les fonds pour le débit et la fin de ces travaux. En tout cas, d'abord, nous louons vraiment le Seigneur Dieu qui nous a donné un fils digne de son nom. À la personne du docteur Bino Mitéo Nyengi. Puisque tout le monde est témoin. Depuis le colonel jusqu'à présent, avez-vous déjà vu un bac flotter sur cette rivière? Non. Mais vraiment, c'est... Comment... Je manque même le terme à dire. Ce sont des travaux que nous soutenons beaucoup, que nous aimons beaucoup. D'abord, nous l'aimons lui-même, initiateur de ce truc. Alors, la fois passée, il y a eu vraiment l'équipe de la province qui était descendue sur le terrain. Le territoire ainsi que la chefferie même. Si vous voyez bien, il y a d'autres pylônes de l'autre côté. Ce sont des aventures qu'on avait voulu aussi monter. Il faut qu'on se dise la vérité. Et il y a remarqué que vraiment ce sont des choses qui peuvent provoquer vraiment des dangers sur cette rivière. Nous sommes allés vraiment voir le docteur Bino Mitéo Nyengi. Lui à son tour nous a reçus. Très bien reçus d'ailleurs. Il nous a promis que non, je vais un peu parler pour vous, je vais plaider pour vous. Au niveau du gouvernement national. Dieu merci, aujourd'hui nous avons vraiment l'office de route qui est sur terrain pour faire ses travaux. Nous sommes tellement contents et fiers de lui. Ce qui justifie ma présence ici sur le côté rive de Bakwamulumba, précisément à Bakwandjadja, et derrière moi, en face, Kanampumbi, dans la chefferie de Kalambaï, c'est pour me rendre compte des travaux initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux de construction de massifs et de pose du bac qui va pouvoir relier le côté Kalambaï, chefferie, Kanampumbi, et le côté Ndjadja dans la chefferie de Bakwamulumba. C'est ce qui suffit ma présence pour me rendre compte réellement du lancement des travaux et du nouveau, du temps que cela va prendre. Le financement venu ici, c'est un financement de l'État congolais. C'est le ministère national des infrastructures qui a financé totalement et les études et la prise en charge des ouvrages et du bac qui va arriver. Docteur Bruno Mitéo, ce qu'il a pu faire comme travail, c'est tout simplement de rapporter les doléances des populations auprès du gouvernement congolais. Et donc, nous avons fait un plaidoyer, et Dieu merci, le plaidoyer a été entendu, et voilà, le résultat est là. Et selon le constat que nous faisons ici sur place, c'est qu'il y a déjà des travaux qui avaient commencé pour placer un bac ici, mais il y a ceux qui ont estimé que Dr Bruno Mitéo Nyengi a fait ce plaidoyer juste pour empêcher ces travaux-là qui étaient déjà en cours. Moi, je pense que nous sommes dans un État qui est organisé. Un État qui a des lois, un État qui a des règles et des normes. L'État congolais dit, vous avez vos moyens financiers, privés,
Vous voulez construire une route, vous voulez construire un pont, vous voulez jeter une infrastructure sur la rivière comme le Bilangi ici. Eh bien, l'outil qu'il faut consulter pour cela au niveau de l'État, l'outil normatif, l'instrument qualifié, c'est l'office de route. Et donc, l'État, c'est un État responsable qui ne peut pas du tout accepter que les vies humaines soient abandonnées aux hasardeux, aux amateurs. Cela n'est pas possible. Et là, nous n'avons fait que suivre les normes et les règlements de l'État.